Amen. 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 Que le Seigneur Dieu nous bénisse. Oui, il nous bénisse encore et encore. J'aimerais parler à quelqu'un ce matin. J'ai pris bien aimé que pour ce début du mois d'octobre, l'Éternel Dieu donne à ce mois une autre identité. Tout ce qui n'a pas marché le mois passé, tout ce qui n'a pas marché des mois précédents, et l'Éternel Dieu te donne une autre vitesse pour ce mois au nom de Jésus-Christ. Et que la faveur de l'Éternel Dieu puisse colorer ta vie. Je suis en train de parler à quelqu'un ce matin. Si ta vie avait une autre couleur, à partir de ce matin, je suis en train de prier que l'onction du Saint-Esprit donne une autre coloration à ta vie et celle dans le nom puissant de Jésus-Christ. J'ai pris au nom de Jésus. Et c'est le mois d'octobre. Je l'ai appelé le mois de naissance et le mois de maternité. C'est-à-dire tout ce qui était dans ta pensée comme projet. Depuis le début de cette année. Et l'Éternel Dieu ouvre la porte d'une maternité. Enfin, que ce projet voit de la vie au nom de Jésus-Christ. Enfin, que ce projet voit les jours dans le nom de Jésus. Ça ne dépendra pas de toi, mais ça dépendra de celui qui est ton rédempteur, de celui qui produit en toi le vouloir et le faire. Il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Il s'appelle Jésus de Nazareth. Je suis en train ce matin de distribuer les jetons d'échecs à tout le projet de tes ennemis. Et tous les projets des ennemis échouent au nom de Jésus. Nous sommes en train de partager les tickets d'échec à tous tes adversaires, à tous tes ennemis, et cela dans le nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Ce matin, nous allons évoluer dans une vision que nous avions déjà commencé, un thème que nous avions déjà abordé. Pour ceux qui ont toujours prié de leur présence durant la semaine, ça c'est une continuité. Le serviteur est la vraie compréhension de la grâce. Le serviteur est la vraie compréhension de la grâce. Oui, parce qu'il y a des ceux qui peuvent très mal comprendre la grâce de Dieu. J'aimerais lire un texte de la Bible. En fait, c'est la suite de ce que nous avions déjà commencé. Matthieu chapitre 25. Du verset 16 jusqu'au verset 18. Si tout le monde est là, nous allons lire la parole du Seigneur. La Bible dit: celui qui avait reçu le 5 talents s'en alla, le fit valoir et il gagna 5 autres talents. De même, celui qui avait reçu 2 talents en gagna 2 autres. Celui qui n'en avait reçu que 1 alla faire un creux dans la terre et cacha l'argent de son maître. Quelqu'un dit amen. Bien aimé, ce texte ou encore cet enseignement est basé sur l'histoire des talents. Vous avez déjà entendu cela. Plusieurs enseignements quelquefois sur la parabole des talents. Et même pour ceux qui ont été le marqués, nous avions parlé d'une première partie de cet enseignement. Et comme il y a tellement de choses à dire, c'est comme ça que nous avions cédé cet enseignement. Mais bien aimé, ici on est en train de nous parler sur les serviteurs qui avaient reçu de leur maître des talents. Ils avaient reçu des choses en termes de talents.
Et vous regarderez dans la suite la manière de se comporter de ses serviteurs. Mais bien, ne l'oubliez pas. Lorsque les gens parlent du jugement, lorsque les gens parlent du retour de Jésus, bien-aimés, ne croyez pas que le jugement concerne seulement l'humanité tout entière. Il y a un premier jugement qui va s'abattre dans la maison de Dieu. Amen. Le jugement commencera d'abord dans la maison de Dieu. Amen. Dans la maison de Dieu. Et si vous voulez comprendre comment les choses vont se passer, suivez très bien cet enseignement. Ça peut vous mettre à l'abri. Ça peut aussi vous réqualifier sur ce que vous devez normalement faire. Il s'agissait de serviteurs qui se sont présentés devant leur maître. Et il a commencé à donner à ses trois serviteurs chacun selon sa capacité. La Bible dit qu'il voulait aller à un pour un long voyage. Et il a pris 5 talents. Il a donné au premier 2 talents. Il a donné au deuxième et 1 talent au troisième. Cela n'avait rien à voir avec une notion de préférence. Non, non. Il n'avait pas un sentiment de préférence pour l'un ou l'autre. Mais il avait plutôt lu la capacité de chaque serviteur. Et c'est comme ça qu'il leur a donné des talents. Ah oui, que c'est ni. Mais la Bible dit, après avoir remis les talents, il partit. Le mercredi, je le dis. Ce que nous remarquons ici, c'est que le maître n'a rien dit à ses serviteurs. Il n'a rien dit. Quand il a seulement remis, il est parti. Mais faites attention. Je le dis, cela ne doit pas être considéré comme une excuse. Parce que il y a des paroles de l'Éternel Dieu qui ne viennent pas partir de nos oreilles, mais des paroles que le Seigneur Dieu a déposées dans notre conscience. Amen. Amen. Des paroles que l'Éternel Dieu ne vous dira pas à l'oreille, mais qu'il a déposées dans votre conscience. Et c'est là où on reconnaît le serviteur. Il doit être capable de comprendre la volonté de son maître. Je vais donner même un exemple. Lorsqu'un enfant vient dans le monde, il n'y a pas une école là où on apprend à l'enfant comment t'aider. Non, non. Mais lorsque vous mettez son doigt dans la bouche, vous n'allez pas lui apprendre. Vous allez voir qu'il va commencer à sucer son doigt. Qui lui a enseigné cela? Moi dans le ventre? Non. Même aussi dans la maternité? Non. Mais c'est des choses que l'Éternel a écrites. D'accord? En lui. Et comme ça aussi le serviteur. Mais j'aimerais un peu parler sur la manière dont le serviteur de Dieu. Quand on dit serviteur, ça dit que tous ceux qui sont des dieux. Comment normalement nous devons nous comporter? Dans la maison de Dieu, chacun a reçu quelque chose de la part de Dieu. Que vous le vouliez ou pas, vous avez reçu quelque chose. Maintenant, il y a des ceux qui ne veulent pas reconnaître qu'ils ont reçu quelque chose. C'est-à-dire, ils le vivent comme en faisant semblant qu'ils n'ont rien reçu de la part de Dieu. Mais cela ne va pas aussi vous épargner. Comment est-ce que cela ne va pas vous épargner? Vous allez tomber sur le coup du jugement. Parce que l'Éternel Dieu vous a communiqué quelque chose. C'est pourquoi j'ai posé la même question le mercredi. Qui est conscient d'avoir reçu quelque chose de la part de Dieu? Je vais encore réitérer ce matin cette même question. Mais si tu réponds à la question, ce n'est pas pour que nous puissions te donner des points. C'est pour te ramener à l'ordre. Est-ce qu'il y a des gens qui sont conscients? Ils ont reçu de Dieu quelque chose. Est-ce qu'il y a
quelqu'un qui est conscient ici d'avoir reçu de Dieu quelque chose. Ok. Ça veut dire, là où vous êtes là, vous avez déjà eu une certaine responsabilité. Deuxièmement, il y a des gens qui ont reçu de Dieu quelque chose et qui ne savent pas comment utiliser cette chose. D'accord? Et lorsque le jugement va arriver, Dieu va juger tout le monde. Il appelait ici ceux qui ont valorisé et même ceux qui ont échoué. Tout le monde devait rendre compte. Mais écoutez-moi très bien. Ceux qui seront condamnés, ils sont à deux. Premièrement, ceux qui ont fait semblant de mener une vie comme s'ils n'avaient rien reçu, ils seraient condamnés. Deuxièmement, ceux-là qui ont agi selon leur propre volonté, ceux-là qui ont voulu se servir de la chose que Dieu leur avait donnée selon leur propre volonté, ceux-là aussi seront condamnés. Parce que tel que je suis là, conscient que j'ai reçu de Dieu, mais ce que l'Éternel m'interdit, c'est que je ne puisse pas utiliser cette chose comme je veux, mais je dois utiliser la chose telle que Dieu veut que je l'utilise. Vous comprenez ce que je veux dire? Je peux commencer à vendre la grâce que j'ai reçue. Je peux commencer à imposer des conditions. Amen. Amen. Mais à la fin de temps, Dieu va me demander comment tu avais géré ce que je t'avais donné. La chose que vous recevez ne doit pas être considérée comme un habit que vous avez acheté. Parce que les habits, vous le mettez quand vous voulez et comment. Doit être géré selon que Dieu veut que c'est fait. Vous verrez ici, lorsque la Bible est en train de parler, la Bible est en train de dire ceci. Lorsque celui qui a reçu 5 talents l'a reçu, il est parti aussitôt. Et il a multiplié ses talents. Celui qui avait reçu 2 talents est allé aussi faire valoir les 2 talents. Il en a reçu 2. Mais celui qui avait reçu 1 talent, il est allé creuser. Et il a enterré le talent. Mais avant que je ne continue, j'aimerais que nous puissions nous poser cette question. Est-ce que tout le monde est conscient qu'un jour nous allons nous présenter pour rendre compte? Lorsque vous lisez le verset 19, la Bible dit quand le maître fut venu, ses serviteurs, il leur a demandé des comptes qui leur rendent l'administration de ce qu'ils avaient reçu, comment ils avaient géré. Est-ce que vous savez que vous allez rendre compte à l'éternel? C'est le verset qui doit marcher avec nous chaque jour. Ça te rend conscient. Au lieu que, c'est vrai que tu as la possibilité de répéter tous les passages de la Bible. Le bonheur et la grâce m'accompagneront tout le jour de ma vie. C'est excellent. Oh, je suis plus que vainqueur, c'est vrai. Mais, par rapport à ta qualité de serviteur, c'est qu'on t'a donné comme mission. Tu dois dormir et te réveiller avec ce passage-là. Ça va t'aider. Amen. Ça va t'aider à te comporter tel que le Seigneur veut que tu te comportes. Tu ne vas pas commencer à te livrer à une certaine folie parce que tu t'es levé. Tu vas d'abord privilégier ton calepin, tes projets. Mais tu dois te rendre compte que un jour je vais rendre compte à l'Éternel. Un jour je rendrai compte à l'Éternel. Par
partout là où tu es. Que ça soit le matin ou le soir, ça va arriver. Le problème n'est pas quand nous allons mourir, mais savoir que nous allons rendre compte à l'Éternel. Tel que vous êtes là, vous allez rendre compte à l'Éternel un jour. Mais quelle va être votre défense? Qu'est-ce que vous allez dire à l'Éternel? Amen. Quelle a été votre gestion par rapport à ce que vous avez reçu? C'est vrai qu'il y a des gens quelquefois qui martèlent beaucoup plus sur ce que le Seigneur dit concernant les jeunes. Concernant les jeunes, il dit, livre ton corps au plaisir de tes pensées. Marche tel que tu veux. Mais sache bien, un jour Dieu t'appellera en jugement. Mais bien aimé, Dieu n'a pas catégorisé le jugement. Là, il a parlé aux jeunes. Mais sachez bien que tout le monde va connaître le jugement. En commençant par les anges. Je dis bien, en commençant par les anges. Si au temps de Noé, Dieu a même jugé les animaux. Hein? Dieu a jugé même les animaux. Ce n'est pas tous les animaux qui sont entrés dans l'arche. Dieu a demandé à Noé d'accepter chaque couple. Les couples. De chaque espèce. Ils entraient dans l'arche. Et les autres. Hein? Les autres ont péri. Dans les eaux. Ils dirigent. La main. Alors faites attention. Le jugement commencera dans la maison de l'Éternel. Mais bien aimé, si le jugement commence à la maison de l'Éternel, j'ai parlé déjà de comment est-ce que l'Éternel va convoquer ses serviteurs et va leur attribuer des talents. Mais les sous-termes que nous allons exploiter aujourd'hui, premièrement, nous parlerons du bon et fidèle serviteur. Qui est bon et fidèle serviteur? Qui est-ce que Dieu qualifie de bon et de fidèle serviteur? Lisez avec moi ces passages de la Bible. Matthieu chapitre 25. Le verset 20 jusqu'au verset 21. La Bible dit ceci. Celui qui avait reçu les 5 talents s'approcha en apportant 5 autres talents. Et il dit, Seigneur, tu m'as remis 5 talents. Voici, j'en ai gagné 5 autres. Son maître lui dit, c'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses. Je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. Il a même même pour celui qui en avait reçu deux. Mais pour raison de temps, nous arrêtons ici à celui qui en avait reçu cinq. Donc, comprenez que même celui qui en avait reçu deux avait aussi reçu les mêmes paroles. Mais écoutez-moi très bien. La Bible est en train de dire ceci. Celui qui avait reçu cinq talents s'approcha. Bien-aimé, écoutez-moi très bien. J'aime étudier la manière dont la Bible est en train de présenter même certains verbes. Vous savez pourquoi il s'est approché? Est-ce qui ont reçu les talents? Est-ce celui qui avait enterré les talents? C'est pour vous faire savoir que personne n'a la possibilité de fuir loin de lui. David pose la question de savoir, où fuirais-je loin de ta face? Dans l'eau, le Seigneur est là. Sous terre, Dieu est là. Dans le feu, Dieu est là. Dans la forêt, il est là. Et c'est ça qu'on l'appelle omniprésent. Dieu est là. Alors lorsque tu vis avec celui qui est partout, ce que tu feras de mieux, c'est de t'approcher. Au lieu de fuir. Parce que tu n'as pas la possibilité de fuir. C'est comme ça que je te dis. Les choses que tu fais dans le noir,
Tu ne fuis pas Dieu. Et tu ne te caches pas aussi. Comprenez ce que je dis. Tu ne te caches pas. C'est Adam. Adam n'avait pas répondu à la voix du Seigneur. Il allait être surpris. Et Dieu allait lui dire tout ce qu'il était en train de faire et la ruiner. Et si Dieu avait gardé le silence, c'est plutôt le fumier qui devait révéler à Adam que tu es ici. Il dit, j'ai entendu ta voix et je suis allé me cacher. Personne ne peut se cacher devant toi. Mais retenez bien les mains. Cet homme s'est approché. C'est pour vous faire savoir aussi le comportement de ceux qui viennent. Qu'est-ce que vous avez reçu de Dieu? Et qu'est-ce que vous allez présenter au Seigneur? Qu'est-ce que vous allez présenter à Dieu? Il a amené 5 autres talents. Et il dit au Seigneur, tu m'as remis. Tu m'as remis 5 talents. Et voici, j'en ai gagné 5 autres. Je me suis posé la question de savoir, est-ce que cet homme ne savait pas parler? Et pourtant, lorsque vous lisez ce texte de la Bible, on peut dire ceci. Quand il a remis les 5 talents, il est parti pour un voyage. Et quelques temps après, dans ma version, on dit longtemps après, il est revenu. Et quand il revient, écoute ce que le serviteur dit. Tu m'as remis. Cinq talents.
Et normalement, qu'elle avait dit, tu as fait Rémi, cinq talents, et j'ai gagné cinq autres. Mais lui dit, tu m'as Rémi, cinq talents, et j'ai gagné cinq autres. Ça veut dire quoi? Lorsque Dieu vous dit, voici, je suis avec vous, tous les jours jusqu'à la fin du temps. Ce n'est pas le fait que Jésus soit invisible qui n'est pas avec vous. Il est avec vous par la grâce qu'il vous a donnée. Et lorsque vous parlez au passé, c'est que vous n'avez pas compris ce que l'Éternel de Dieu a fait. Comprenez-le, chaque jour, Dieu est avec vous par le moyen de ce qu'il a déposé en vous. Voici, il a reçu le don de servir dans l'église, de prêcher. Toi qui as reçu le don de soutenir, de balayer, de faire telle ou telle chose pour le royaume. Fais attention, chaque jour, l'Éternel est avec toi. Amen. Et lorsque tu n'accomplis pas ce que l'Éternel voulait que tu accomplisses, tu accumules des retards et tu accumules des pertes. Chaque jour, c'est une perte pour toi. Pendant que tu es en train de voir ce jour-là comme un gain. Mais toi, par ta paresse, tu as enregistré une perte. Vous voyez ce serviteur? Il le connaissait tellement son maître. Tu m'as remis cinq. J'en ai gagné cinq autres. Écoutez ce que le maître est en train de dire à son serviteur. Il dit ceci. Bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses. Tu as été fidèle en peu de choses. Je te confierai. Il dit quoi? T'es confié. C'est qui tu vas? Mais après, il dit, entre dans la joie de ton maître. Lorsque vous êtes dans le royaume, vous devez grandir. Vous devez avancer. Si tu es à côté de quelqu'un, dis-lui qu'il faut grandir. Vous savez pourquoi? Regardez la manière dont cet homme est en train de parler. Il dit, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle. D'accord. Tu as été. Donc, ça veut dire, lorsque vous lisez ce texte de la Bible, il y a plusieurs révélations et plusieurs manières de vivre que l'Éternel est en train de révéler ici. Le serviteur parle du présent. Il dit, tu m'as remis. Mais pourtant, cette chance lui a été donnée il y a longtemps. Mais quand le maître parle, le maître recours au passé. En disant, tu as été fidèle. Pourquoi? Parce que dans la relation entre le maître et le serviteur, Dieu révèle quelque chose au serviteur. Qu'est-ce qu'il dit? Je suis. C'est-à-dire, c'est toi qui vas savoir et lui il est. Mais quand lui-même parle, il te fait savoir. Oh, il a dit, il est le même. Hier, aujourd'hui et éternellement. Mais lorsque vous lisez ce texte, le maître est en train de révéler toutes ses qualités. Il dit, tu as été fidèle dans peu de choses. Il s'agit de qui? Celui qui était. D'accord. Il dit à son serviteur, je te confierai beaucoup de choses. Il fait allusion à qui? À celui qui sera. Mais il dit au même serviteur, entre dans la joie de ton maître. Il parle de qui? De Jésus. Vous comprenez un peu? Ça c'est Dieu. Ça c'est Dieu. Et bien aimé, lorsque tu découvres Dieu, lorsque tu cherches à découvrir Dieu, il finira par se révéler. D'accord. Et vous allez vous rendre compte bien. Ce texte de la Bible met ensemble deux livres. Un de l'Ancien Testament et l'autre du Nouveau Testament. Il s'agit du livre d'Exode et le livre des Hébreux. Là où l'Éternel Dieu dit à Moïse, dans le livre des Hébreux, il dit, je suis celui qui suis. Il
plutôt dans le livre d'Exode. Il dit à Moïse, dis-leur, je suis. Mais dans le livre des Hébreux, il dit, je suis le même. Hier, aujourd'hui, et éternellement. On revient compte sur ces choses. La manière dont Dieu est en train de se révéler ici. Bon et fidèle serviteur. Qui est-ce que Dieu qualifie de bon? Il s'agit de qui? C'est lui qui a compris le pourquoi il a reçu le don de Dieu. Même celui qui balait l'église a reçu de Dieu. Bien, mais vous serez étonné. Hein? Dernier jour. Lorsque l'éternel Dieu va commencer à demander du compte à certaines personnes. Amen. Tout ce que nous faisons dans la maison du Seigneur, nous le faisons. C'est par sa volonté. Vous serez étonné de voir quelquefois Dieu réprocher certaines personnes. À qui il a donné la responsabilité de veiller sur la lumière. La lumière, c'est un simple technicien. Technicien, un électricien. Électricien. Oh, c'était une charge que Dieu lui a donnée. Amen. Amen. Mais quand il dit Dieu a été fidèle, en peu de choses, combien de personnes aujourd'hui demandent à Dieu beaucoup de choses? Sans pour autant tenir compte des peu qu'ils ont reçus. Pour que tu puisses recevoir beaucoup de choses, tu dois être capable de fructifier le peu que tu as reçu. Amen. Amen. Le peu que tu as reçu, tu dois être capable de fructifier cela. Mais toi, lorsqu'on te confie une petite responsabilité, tu oublies quelquefois, c'est cette petite responsabilité qui cache la grande responsabilité. Dans d'autres versions, de ville, c'est-à-dire pour celui qui a multiplié les 5 talents, Dieu lui a confié l'administration des 10 villes. 10 villes. Ah. Ça veut dire quoi? La meilleure façon de comprendre quelqu'un qui a reçu un talent de la part de Dieu, c'est que le talent qu'on reçoit modifie notre vie. Comprenez? Ce que vous avez reçu de Dieu doit modifier votre vie. Parce qu'une telle personne pourrait être là en train de suivre la télé. Il peut être là en train de suivre politique. Il pouvait être là en train de suivre un match. Mais comme il a reçu les 5 talents, le 5 talents lui donne un travail. Mais fructifier ces talents-là. Donc lorsque vous avez reçu quelque chose venant de la part du Seigneur, ça doit influencer votre vie. Ça doit influencer votre existence. Mais toi, tu peux te poser toi-même la question. Qu'est-ce qui prouve que j'ai reçu quelque chose? Qu'est-ce qui vient de nouveau dans ma vie pour montrer que j'ai reçu quelque chose? Amen. Il en était de même pour celui qui en avait reçu Dieu. Il s'est approché. Il dit à son maître, voilà, tu m'as donné 2 talents. J'en ai gagné 2. Mais écoutez ce que je dis ici. Est-ce qu'il y a des gens qui sont conscients ici? Et Jésus a dit que nous sommes plus que vainqueurs. Si tu es là aussi, et tu es convaincu que tu es plus que vainqueurs, laisse-moi. Tu es sûr que tu es plus que vainqueur? Mais regarde la chose qui fait de toi plus que vainqueur. Il y a 2 vers. Le serviteur dit, tu m'as réuni et j'ai gagné. D'accord. Tu m'as réuni et j'ai gagné. C'est-à-dire quand vous prenez ces 2 verbes-là, la véritable manière d'être plus que vainqueur, c'est de valoriser ce que nous avons reçu de l'Éternel. Tu ne peux pas, tu ne peux pas.
gagné. Alléluia. Amen. Il m'a réuni. Et j'ai gagné par lui. Les deux aussi. On dit la même chose. Mais écoutez-moi très bien. Lorsque nous dépassons ces deux serviteurs, ils sont qualifiés de bons et fidèles. Le troisième, la Bible dit qu'il était qualifié de méchant et paresseux serviteur. Les personnes tremblantes vont l'appeler serviteur inutile. Tu peux être ici et être inutile aujourd'hui. Ce matin, tu peux être utile pour ta famille. Tu peux être utile pour ce pays. Tu peux être utile pour ton mari et pour ta femme. Mais c'est possible que tu sois inutile. Amen. Amen. Lorsque nous parlons de l'utilité d'un homme sur cette terre, tu peux recevoir des médailles, tu peux recevoir des titres de distinction, tu peux recevoir des trophées, mais ne jamais avoir une place au ciel. Amen. Quand tu es inutile aux yeux de l'éternel. Mais j'aimerais un peu parler de cet homme, le serviteur inutile. Qui est-il? Matthieu chapitre 25. Après l'avoir peint ce tableau, c'est toi qui vas te situer où es-tu réellement. Matthieu 25, 24 à 26. Celui qui n'avait reçu qu'un talent s'approcha ensuite et il dit: Seigneur, je savais que tu es un homme dur, qui moissonne où tu n'as pas semé et qui amasse où tu n'as pas vanné. J'ai eu peur et je suis allé cacher ton talent dans le sable. Voici, prends ce qui est à toi. Son maître lui répondit: serviteur méchant et paresseux, tu savais que je moissonne où je n'ai pas semé, et j'amasse où je n'ai pas vanné. La suite, on nous dit: il fallait prendre mon argent et donner à un banquier. J'allais le retirer avec un intérêt. Et il a donné l'homme qu'on puisse enlever ce qu'il avait et qu'on donne à une autre personne et qu'on le jette dans le ténèbre du dehors. Mais écoute-moi bien. Comment reconnaître un serviteur méchant et paresseux et inutile? Lorsque vous lisez ce texte, la Bible dit ceci: celui qui avait reçu un talent s'approcha de son maître. La Bible ne parle pas de Jésus. Non, non. La Bible ne parle pas de Jésus. Non, dans notre pays, vous trouverez des gens. Vous dites que non, ce sont des Lumumbistes. Ce sont des Tshisekedistes. Des Mouséistes. Ce sont des Fayoulistes ou comment? Même pour Jésus, on n'a pas parlé de Jésus. Mais les gens ont parlé de chrétiens. Mais pourtant, tout le monde savait que le Christ, c'est Jésus. Mais pourquoi on n'a pas parlé des jésuites, mais ils ont préféré parler des chrétiens? Parce que le mot Christ signifie le roi. Le roi. Vous comprenez ce que je dis? C'est-à-dire, quand on dit les chrétiens, on se rend compte qu'en eux, on trouve des hommes rois. Donc, de faire ce que les hommes naturels ne peuvent pas faire. C'est comme ça qu'on les appelle des chrétiens. Les gens en qui on trouve le roi. Pose-moi la question. Quand les gens te regardent, ils voient qui et quoi. Amen. Le disciple, c'est celui-là qui s'est approché de Jésus. Or, lorsque nous parlons de l'approche, on parle d'une ressemblance qui me trompe
est créé. Selon une pensée du Seigneur qui s'exprime en deux faces. L'image et la ressemblance. Les hommes que vous voyez sur terre peuvent avoir l'image. Mais ce n'est pas tout le monde qui a la ressemblance. La ressemblance signifie avoir la capacité d'agir comme Dieu. Comme Dieu. Amen. C'est ce qui est fait bien. Et quand Pierre a voulu se dissimuler, voulait se cacher. Mais les gens lui ont dit, toi aussi tu parles. Toi aussi tu parles. Parce que c'est quelqu'un qui s'est mélangé avec le Christ. Donc il était impossible que Pierre puisse se dissimuler. Il ne pouvait pas se cacher. Les gens l'ont découvert. Amen. Qui est disciple de Jésus? Non seulement celui qui s'approche, parce qu'il y a tellement de choses à dire là-dessus, mais aussi celui qui écoute le Seigneur et qui exécute sa parole. Écouter Dieu, c'est une chose, mais agir selon ce qu'on a écouté, c'est une autre chose. Bien, mais quand tu écoutes Dieu, tu n'es pas spécial. Parce que Caïn a écouté Dieu. Parce que Adam, après avoir péché, il a écouté Dieu. Il dit, Seigneur, j'ai entendu ta voix. Et je suis allé me cacher. Pendant que Caïn a déjà pris la décision d'exécuter son frère, Dieu lui a parlé. Pourquoi ton visage est abattu? Si tu agis bien, Dieu élèvera ta tête. Alléluia. Et si tu agis mal, le péché est abattu. Caïn est là. Oh, moi j'écoute le Seigneur. Oui, mais tu n'es pas spécial. Celui qui est spécial, c'est celui qui exécute selon ce qu'il a écouté. Alors nous devons célébrer des gens comme Esaïe. C'était un père de famille. Il avait des amis. Il avait une belle famille. Ses enfants avaient des amis. Mais un matin, le Seigneur lui a dit, lève-toi, ôte tous tes vêtements. Et tu marcheras dans les rues d'Israël nu. Nu. Et tu commenceras à crier. Ainsi parle l'Éternel. C'est comme ça que vous serez conduits en déportation. Bien aimé. Si c'était toi et moi. Hein? Si c'était toi et moi. Dans ces siècles. Où il y a Facebook, où il y a WhatsApp, il y a TikTok. Je crois que ça allait être une occasion pour désobéir à Dieu. Mais Esaïe s'est levé. Il s'est déshabillé. Parce que le maître a parlé. Alléluia. Lui encore. Il pouvait dire, mais pourquoi Dieu a demandé de me déshabiller? Mais je vous ai dit ceci. Une fois. Dieu ne peut pas vous demander ce que lui-même n'est pas capable. Esaïe s'est déshabillé. Il est en train de marcher nu dans les rues de Jérusalem. Seulement. Ainsi parle l'Éternel. C'est comme ça que vous serez conduits en déportation. Mais le jour où Dieu lui-même vient, il n'était pas à Jérusalem seulement. La Bible dit. Esaïe marchait à terre. Mais Jésus était suspendu entre le ciel et la terre. Ça veut dire que même les gens comme Zachée, il n'avait pas besoin d'un sycomore pour monter et voir la nudité de Jésus. Même les petits enfants ont vu sa nudité. C'était Dieu en personne. Alléluia. C'était Dieu en personne. Le disciple n'est pas seulement celui qui écoute Dieu.
Dieu. Mais celui qui agit selon ce qu'il a fait. Combien de personnes? S'il faut placer un thermomètre dans le degré de ton exécution. Tu as fait le température d'obéissance vis-à-vis de Dieu. Tu vas te rendre compte. Tu n'es pas encore arrivé. Qui est disciple de Jésus? Troisièmement, c'est celui qui croit que le Seigneur a reçu tout pouvoir. Amen. Amen. C'est celui qui croit que Jésus a reçu tout pouvoir. Mais lorsque tu crois à cela, cela va changer même ta façon de voir les gens. Le Dieu que j'ai, c'est celui qui a reçu tout pouvoir. Ouais, ma soeur. Voyez aujourd'hui dans les églises. On peut le dire, c'est vrai. Jésus est le Tout-Puissant. Dire et croire, c'est deux choses tout à fait différentes. Amen. Deux choses. J'aime la manière dont Ézéchiel s'est comporté. Voilà le comportement d'un disciple. Est-ce que ces offrandes peuvent-ils revivre? Ézéchiel répond à Dieu, il dit, c'est toi qui le sais. C'est toi qui le sais. Mais tu es déjà arrivé à un moment où même les médecins te disent que ça. Je vous ai parlé ici, monde, et c'est qu'a vécu dernièrement. Le papa et maman pasteur, et quelqu'un qui commence déjà même à faire ses adieux. Il perd de mémoire. Vous voyez que non, cette personne n'est pas en train. Arrive à l'hôpital. Comment à l'hôpital? Les médecins ont fait des examens. Ça, c'est un cancer. Vous avez cancer et un poumon. Hein? Et moi-même, je suis passé par là. Donc, quand vous voyez le cliché, vous vous rendez compte? Effectivement. Vous connaissez dans mon sol. Ça, c'est pas la tuberculose parce que ça ne se partit pas comme ça. Ça, c'est un cancer. Maintenant, il faut deux choses. Soit on doit amputer l'un, le poumon. Pour préserver le poumon. Amen. Et vous savez cette opération-là, vous comment? Vous voyez cette opération-là, vous savez, dans mon sol. Avant déjà d'attaquer, il faut vraiment qu'il y ait, qu'on commence d'abord la chimiothérapie. C'est qui peut même avoir la chimiothérapie? Mais le premier jour, quand ce rapport est arrivé, j'ai interrogé le Seigneur. Tout n'a dit ça. Il m'a dit, il ne mourra pas. Cette situation va passer. Et lorsque vous allez devant le médecin, il vous parle sur les causes de cette maladie. Et soit pour les gens qui prennent la cigarette, ou soit les gens qui ont eu à travailler pendant longtemps avec des gros véhicules, par exemple, qui consomment, qui utilisent le gasoil. Parce que c'est un produit tellement toxique. Il a conduit pendant longtemps des engins. Donc le diagnostic. Bon, c'est vrai qu'il faut prendre un peu, essayer un peu de creuser, savoir et tout. Sauf d'aller justement à vouloir prendre une partie du poumon. D'accord. Donc ils ont fait rentrer. Un appareil. Côté cet appareil, qui est rentré jusque là pour couper. Oui, côté qui n'a pas la. Ça, l'embosso.
ils ont pris le poumon. Ils ont fait les examens. Ça, ils ont confirmé un cancer de poumon. L'église a fait un cancer de poumon. Mais Dieu qui a parlé. C'est comme ça que j'aime dire aux gens. Tu peux être dans une famille où les gens ne te considèrent pas parce que tu n'as pas d'âge. Mais ils sont considérés parce que tu as un Dieu. Pierre a dit, je n'ai ni argent ni or. Mais ce que j'ai, je te dis là. Là où les gens qui ont l'argent ne pouvaient pas intervenir. Mais la puissance de Dieu a intervenu. Alléluia. Le cancer a disparu. L'homme est devenu normal. Tout pouvoir m'a été donné dans les ciels et sur la terre. Un disciple croit à la puissance du maître. Il sait même là où les médecins vont échouer, le maître échouera jamais. Si je veux te parler de Dieu, je te parlerai de Dieu comme quelqu'un qui a livré plusieurs combats. Et dans son palmarès, il n'a jamais fait de combat. Lorsque vous interrogez par exemple le palmarès de Mike Tyson, je ne sais pas lequel. On va vous dire par exemple du 67 combats. 67 combats. Il a gagné 60 et il en a perdu 7. Mais Dieu n'a jamais perdu de combat. Et là où j'aime Dieu, il a des combats qu'il a déjà gagnés sans les livrer. D'abord, par rapport à son niveau, Dieu n'a pas d'adversaire. Il a laissé les adversaires entre nos mains. C'est là où j'aime dire aux gens, ne prenez pas Satan comme un opposant de Dieu. La personne qui a humilié le diable s'appelle Michael. C'est lui qui a renversé Satan. Dieu ne l'a jamais touché. Parce que celui-là est le Tout-Puissant. Il n'a pas de concurrent. Jésus a dit quelque chose que vous devez retenir. Il n'a pas dit tout pouvoir m'a été donné du ciel. Non, non. Mais il a dit tout pouvoir m'a été donné dans le ciel. Dire du ciel et dans le ciel, c'est deux choses différentes. Parce que tu peux avoir un pouvoir du ciel et ne pas revenir au ciel. Mais quand tu as reçu le pouvoir dans le ciel, c'est que tu as la capacité de régner dans le ciel. Tout pouvoir a été donné dans le ciel et sur la terre. C'est pourquoi vous allez voir, à cause de Jésus, un homme a fait tomber des larmes là où il n'a jamais eu de larmes depuis la création. Jean. Amen. Il n'a pas été touché. Il n'a pas été écrasé. Il n'a pas châtié. Pourquoi? Parce que le Christ était là. Il était le seul à pleurer. Dans la présence. Là. Il dit, j'ai pleuré. J'ai pleuré de ce qu'il n'y a eu personne. Il a pleuré. Donc si aujourd'hui tu visites la gloire de Dieu, il est possible que tu vois les larmes de Jean. Parce qu'il était le seul. Pleurer. Le disciple. Et celui qui croit. Pouvoir du Seigneur. La puissance de Dieu. Il sait que son maître a le pouvoir. Amen. Amen. Mais là, quand vous marchez avec quelqu'un qui a tout pouvoir, vous êtes venu têtu. Têtu. Vous êtes venu têtu. C'est là où le Seigneur veut le voir. Même devant ce que le monde trouve impossible. Qui est le disciple? C'est celui-là qui est engagé pour les intérêts de Dieu. Il a été engagé pour les intérêts de Dieu. Et
si tu te dis disciple, et que tu vis pour les propres intérêts, c'est que tu n'es pas disciple. Il ne s'arrête pas là. Verset 19. Il dit ceci. Allez partout dans le monde. Cette recommandation touche à la propagation de la bonne nouvelle et à l'évangélisation. C'est comme ça que je dis. L'évangélisation, c'est un bon signe. Est une cible de l'ennemi. Moi, je suis dérangé de voir les partis politiques gagner les gens. Mais l'église rester à mort. Amen. Et ils n'ont pas peur. Mais ça pour parler la paix. Le dit. Ils n'ont pas aussi honte. Mais ça peine à sommeil. Ils le déclaraient. Nous sommes de tels partis politiques, nous sommes de telles obédiences. Mais nous qui avons la garantie du royaume. Et la vie éternelle. Pourquoi là où le Seigneur Dieu dit allez, mais les autres disent restez. La preuve. Vous qui êtes ici, dites-moi un peu. Depuis que le Seigneur Dieu vous a gagné dans son royaume, combien de personnes avez-vous amené? La réponse est dans ta conscience. Vous savez pourquoi? Parce que lorsque le Seigneur Dieu nous confie, il sait ce qui se cache derrière. Mais plusieurs aujourd'hui ne veulent pas appliquer cette parole. Mais ils veulent dire au Seigneur d'aller chercher tout ce qu'ils sont en train de rechercher. C'est comme ça que dans d'autres vocabulaires, vous trouverez des gens parler de Dieu comme un garçon de course. Donne-moi. Accorde-moi. Fais pour moi ceci. Fais pour moi ceci. Mais oubliant que le Seigneur nous a dit. Amen. Aujourd'hui, cette commission fait partie des messages oubliés. Des messages oubliés. Et plusieurs ont mis de côté parce qu'on est tellement gagné par les intérêts personnels. Des choses qui ne peuvent que s'arrêter sur cette terre. Mais que nous avons fait de nos chevaux de bataille. Nous avons fait notre cheval de bataille. Des choses qui n'auront que de frontières ici sur terre. De la pensée de votre éternité. Mais on oublie que le diable attaque l'église comment? Pour pas l'église, en fait, les gens qui sont en église. Ceux qui se réclament être des citoyens du royaume. Qu'est-ce qu'ils font? Amen. L'église aujourd'hui doit retenir une seule parole. Lorsque l'Éternel vous appelle, il vous donne la pensée d'avoir les beaux pieds, les pieds, les jolis pieds. Mais les gens ont la pensée de faire des soins des visages. La pensée du Seigneur est pour ce que nous appelons pellicule. Mais vous, ce qui vous intéresse, c'est votre soin de visage. D'accord? C'est-à-dire cette apparence-là. Mais oubliant. Mais ce qui fait de vous des gens qui ont des pieds propres, c'est la bonne nouvelle. Écoutez ce que la Bible est en train de dire. Je vais vous lire ce passage. Romains chapitre 10, verset 15. La Bible dit ici. Et comment y aura-t-il de prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés? Selon qu'il est écrit, qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent l'évangile de paix. Vous avez déjà vu ça?
aujourd'hui, la génération d'aujourd'hui s'intéresse beaucoup plus aux soins des visages qu'à leur pédicure. Ce qui te rend beau de bien, c'est l'évangile de Dieu. Amen. Amen. Je vous ai dit une fois, moi-même, j'ai été un peu émerveillé de voir un jeune homme. Qui pouvait avoir l'âge, pas l'âge de mon fils Ephraim. Ces garçons pouvaient avoir, je crois, 9 ans. 10 ans. Il m'a intercepté. Il voulait me parler de Jésus. Je ne lui ai pas dit que je suis pasteur. J'étais là. Il m'a parlé de Jésus. Et il m'a invité dans son église. Il dit, ok, si je trouve le temps, je viens. Et il m'a tendu une liste des personnes qu'il prêchait. Et qui devaient mettre leur nom et leur numéro. J'ai écrit le nom. J'ai mis aussi mon numéro. Et à la fin du compte, je lui ai dit que Dieu te bénisse. Amen. Amen. Ça m'a beaucoup touché. De voir un petit enfant qui s'intéresse déjà à pouvoir peupler le camp. Pourquoi Dieu ne peut pas protéger une telle personne? Pourquoi Dieu ne peut pas bénir une telle personne? Mais toi qui es plus âgé, qui a la possibilité de convaincre, tu as dirigé ça vers le Renaissance. C'est-à-dire, tu veux prendre quelqu'un d'une autre équipe, l'amener vers Renaissance, ou je ne sais pas quel Manchester United, comment. C'est-à-dire, toi, ta capacité, tu l'as orienté ailleurs. Tu l'as orienté ailleurs. Tu l'as orienté ailleurs. Les nations des nations. C'est ce que le Seigneur dit. Allez partout dans le monde. C'est pas ça qu'il est en train de nous faire voir. Et le disciple n'est pas celui qui marche par rapport à son cerveau. Mais le disciple est celui qui marche selon la pensée du Seigneur. C'est l'éternel Dieu qui nous guide. Et la Bible dit les pas de celui qui marche sont pour le voir. Est-ce que c'est Dieu qui te dit? Ou tu es là pour diriger ta propre vie? Est-ce que c'est Dieu qui te conduit? Ou tu es là pour conduire ta propre vie? Si tu es encore à ce niveau-là, c'est que tu n'es pas encore disciple. Maintenant, regardez ce que la Bible dit. Dans la suite, allez partout dans le monde. Faites de toutes les nations des disciples. J'aimerais dire ceci. Ne peut faire des disciples que celui qui est disciple. Si tu n'es pas disciple, tu ne seras pas capable de faire. Il y a des gens qui disent quelquefois, je peux parler à quelqu'un, je lui parle, mais quelquefois, je finis par me fatiguer. Tu sais quoi? Oui, béni. Toi-même, tu n'es pas un disciple. Mais tu ne peux jamais faire des disciples. C'est comme j'étais en train de suivre une scène qui m'a fait rire un tout petit peu. Mais là où j'ai tiré un enseignement. C'est un comédien qui est en train de dire comment est-ce qu'il était en train d'enseigner un enfant. Il dit à cet enfant, 3 plus 4 égale combien? 3 plus 4, c'est si bon. L'enfant était en train de bégayer. Alors, ça lui a tellement énervé qu'il a tiré les oreilles de cet enfant pour lui dire, réponds, 3 plus 4 égale combien? Et l'enfant dit, 9. Et il a tapé cet enfant. Il a tapé l'enfant, l'enfant fuit en pleurant. Quelques temps après, il voit le papa de cet enfant là venir. Il est tellement baraqué. Un homme musclé, fort. Quand il arrive, il dit, mais quoi, c'est vous qui avez tapé mon enfant? Qu'est-ce qu'il a fait?
Et l'enseignant lui dit, je lui ai posé la question à son niveau. Je lui dis 3 plus 4 égale combien? Il me dit, égale 9. Alors papa regarde son enfant. Comment taper l'enfant? Ça c'est quoi? Donc toi je paye l'argent pour rien. Est-ce que tu ne sais pas que 3 plus 4 égale 12? C'est pas ça. Et toi tu veux dire 9? Maintenant dites-moi un peu. Lorsque déjà lui qui enseigne la part à la maison, le fait savoir que 3 plus 4 égale 12. Maintenant dites-moi. Est-ce qu'il peut, enseigner un enfant qui soit pris à l'école? Et l'enseignant voyant comment est-ce que ce papa là était, il n'avait plus la possibilité de payer à 7. Il pose la question. Est-ce que c'est faux? Il dit non, non. Ces derniers temps, c'est comme le dollar, en fait, ça monte. Lorsque tu veux faire des disciples, tu dois être capable de savoir que toi-même tu es un disciple. Amen. Amen. Toi-même, tu ne l'es pas. Même tu veux faire des disciples, par quel miracle, par quel trichement? Amen. Amen. Et il dit, baptisez-le. Alors là, le baptême ne devient pas seulement un simple fait de plonger les gens dans la rivière et de sortir. Mais le baptême en réalité, c'est toute une vie. Le baptême est un changement de vie. Mais c'est un bon bonheur. On a parlé de ça, je crois, ici. Les gens ont tellement considéré ces choses dans leur superficialité. Tellement superficiel. On dit voilà, je suis baptisé. Parce que on m'a fait rentrer dans l'eau. Je suis sorti. Mais vous savez, le mot baptême est une expression empruntée par des marins. Baptisme. C'est les marins en fait qui utilisaient cette expression lorsque un bateau chavirait. D'accord. On disait que le bateau a été baptisé. Bateau est soigné, baptisé. Zindi. Tel que le Titanic là. D'accord. L'expression utilisée, c'est que le Titanic a été baptisé. Et lorsque le bateau est baptisé, il reste dans l'eau. Amen. Il reste dans l'eau. Ça veut dire que quand on parle du baptême, c'est un changement de vie. C'est comme ça que quand la Bible parle du baptême, on dit ceci, par le baptême, nous sommes morts avec Jésus. Enseveli avec Jésus. Mais mourir, enseveli, mais quand vous ressuscitez, en Jésus. Jésus devient un monde dans lequel vous vivez. C'est-à-dire quand tu es en train de regarder, accroché à toi, tu ne vois que Jésus. En haut et en bas, tu ne vois que Jésus. Amen. Si vous demeurez en moi, amen. Amen. Voici bien aimé une commission. Voici un ordre que Dieu a donné. Qui fait aujourd'hui l'objet de plusieurs attaques de la part de l'ennemi. Et ce qui vient par la suite n'est qu'une conséquence logique. Il dit enseignez-leur à observer tout ce qui est dit. Pourquoi est-ce que Jésus n'a pas parlé de l'enseignement avant le baptême? Mais il a parlé du baptême après le baptême. Vous savez pourquoi? Parce que quand quelqu'un change de vie, Dieu lui ouvre la possibilité d'être enseignable. Amen. Amen. La raison qui fait que malgré tous les enseignements que tu as eu à recevoir, il n'y a aucun changement dans ta vie. Bien aimé,
Ça peut aussi être que tu n'as pas encore connu le baptême. Le vrai baptême. Il y a d'autres qui vont dans l'eau avec le pasteur. Ce n'est qu'un cours de natation. Pour que ce soit un pasteur, la piscine. Mais le baptême, non. Il n'est pas physique, il est d'abord spirituel. Amen. Tu vas te rendre compte qu'une fois que tu as connu le vrai baptême, tu ne vas plus produire des efforts de manière à repousser certaines vies, mais tu auras toi-même la haine de ces vies-là. Amen. Parce que la vie que tu as connue ne te permet pas. Ce matin, je me réveille que quelqu'un parle au Seigneur. Mais avant que nous puissions parler, tu as la possibilité de revoir ta vie. Est-ce que tu es là en train d'accomplir cet ordre du Seigneur? Est-ce que tu es désorienté par le diable par rapport à ce que tout ce que tu as dit? Tout celui qui se sent concerné par cette interpellation, tu vas t'élever. Dans n'importe quelle dimension de ces serments, quand tu te sens interpellé par le Seigneur, alors tu vas seulement t'élever. J'aimerais seulement que tu dises au Seigneur,